Il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Il y a ces guerres avec ces rumeurs. Un conflit extraordinaire, un conflit d'intérêts entre un pays et un autre. Il y a des gens qui meurent de faim autour de la planète parce que il y en a qui sont tellement occupés avec leurs intérêts que ça se passe ainsi. C'est l'effet qu'il y a quand chacun d'entre nous sommes occupés à nos intérêts et qu'on ne voit plus autour de soi, on ne voit que son intérêt. Mais cette guerre que nous avons dans le monde aujourd'hui, ces rivalités, ça vient d'où? Tu t'es posé la question pour savoir d'où ça vient, ça. Quelle est en soi la chose qui fait que tu n'es pas en accord avec l'autre? En soi, il y a une compréhension, une éducation, un conditionnement. On est tous prisonniers de ce que nous avons appris et des conclusions que l'on a faites. Et avec cela, on fait sa vie. Et on croit que ça, c'est bon pour soi. Il y a une sécurité là-dedans. Mais ça ne se passe pas dans le monde, ça. Ça se passe en soi. Et ce que nous sommes en nous se reflète dans le monde. Et ce que nous voyons aujourd'hui, justement, ce sont ces guerres, ces gens qui meurent de faim tous les jours, ces rivalités, ces incompréhensions, ces batailles pour le pouvoir, ces batailles d'intérêt, où chacun veut camper sur ses positions. Mon pays, ton pays, ma religion, ta religion. Et les idées sont tellement divergentes qu'il y a un clash dans l'entendement. Il n'y a plus possibilité de raccorder les choses, d'harmoniser les choses, de s'unir. Parce que la divergence, elle est grande. Et cette divergence, elle vient de soi-même. Nous sommes en soi la bataille qui se joue dans le monde. Combien tu refuses la vie qu'il y a pour avoir la vie que tu aimerais. C'est-à-dire ce que tu es là, tu le combats déjà. Tu ne sais pas vivre avec toi-même sans te combattre, sans diverger. Aujourd'hui tu as un désir, demain tu as un autre désir. Et tu abandonnes un pour avoir l'autre. Tes pensées sont en contradiction. Il y a une confusion dans la tête de chacun d'entre nous qui ne sommes pas en paix. Et cette paix, c'est justement c'est ce que nous avons besoin pour pouvoir faire exister autour de nous quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui se passe en soi. En soi, c'est la différence entre ce que je suis et ce que je montre, l'image que je te propose et ce que je suis vraiment, ça se cache. Et comme c'est caché, nous n'avons plus l'honnêteté d'être ensemble, d'être sur un même terrain d'entente, de conclure, de vivre en paix ensemble, parce qu'on se cache des choses. Faut pas aller très loin. Tu vas dans les familles. Pas la peine d'aller en Irak, là-bas, ou en Libye, où il y a la guerre. Tu vas juste autour de toi, dans les appartements, les familles. On est en guerre. Il y a une guerre de refus de se rencontrer. Il y a une méfiance extraordinaire entre chacun d'entre nous.
Et comment tu veux que si nous ne sommes pas en accord, en paix avec nous-mêmes, sur nos propres territoires, dans nos propres maisons, qu'est-ce qui se passe? Alors le monde est le reflet de ce que tu es. Tout ça, c'est parti dans le monde, et le monde, c'est ce que tu es. Tu ressembles à ça. Si tu sais bien regarder, regarde combien de luttes se font, combien de résistances se font, combien de désaccords il y a dans le monde, de divorces. Cela vient de chacun d'entre nous. À mon sens, il est très important de voir qu'est-ce qui se joue vraiment en soi et de voir qu'est-ce qui se passe pour pouvoir trouver en soi un moyen pour ne plus être dans la confusion et en paix avec soi-même. Et pour être en paix avec soi-même, il faut que tout ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu imagines, s'arrête. Parce que ce que tu aimerais ne te donnera pas la paix. C'est parce que tu es toujours en activité pour pouvoir accéder aux choses que tu aimerais avoir pour ton contentement personnel, pour ton intérêt. Et donc, pour faire ça, il faut que tu sois déjà libre de cette envie de vouloir gagner quelque chose pour ton propre intérêt. Et pour faire ça, il faut que tu voies l'absurdité. L'absurdité qu'il y a dans le monde. Toutes ces batailles, ces querelles, et qui mènent à nulle part. Parce que tout ce qu'on veut s'enquérir ne peut pas être emmené au-delà de la mort. On laissera tout sur place pour que d'autres puissent continuer. Et si on s'attache à toutes ces choses, c'est là que tout le problème de l'humanité réside. Parce qu'on veut garder ce que l'on a pu construire, ce que l'on a pu avoir, ce que l'on a pu s'enquérir, les privilèges que l'on a pu acquérir sont devenus très importants. Et c'est la source de notre gaieté quelque part. Et nous ne savons pas comment vivre sans cette gaieté, sans ce bonheur que nous avons d'avoir des choses. Nous comptons sur les choses pour être bien. Et bien sûr, ça crée la guerre dans le monde. Parce que ces choses appartiennent à la planète Terre et tout le monde en veut. Donc chacun se divise. Chacun s'individualise, mon pays, ton pays, ma femme, ta femme, mon enfant, tes enfants. Et avec tout ça, on fait de la rivalité entre nous. C'est la rivalité qu'il y a en soi qui fait que on n'arrive pas à être en harmonie et donc toutes les actions que nous avons créent une différence, créent des jugements, créent de la comparaison, et en fait, on s'assit sur nos conclusions pour regarder le monde. Mais est-ce qu'il y a une conclusion à avoir si il n'y a pas de jugement, s'il n'y a pas ce centre d'intérêt, si on sait abandonner le centre égocentrique qui veut pour lui-même? Et c'est celui-là qui cause tous les problèmes dans le monde. Parce que il s'est élargi. C'est une extension de soi-même qui est partie là-bas. Et là-bas, quand tu regardes là-bas, tu vois que tu es la guerre. Tu peux observer ça autour de toi. Tu es ce que le monde est. C'est le monde, c'est nous. C'est pas le monde là-bas et moi ici, c'est séparé. Nous sommes un seul ensemble et tout ce que tu peux faire a une influence sur le monde de l'autre côté, que tu aimes ou pas, que tu le crois ou pas. C'est comme ça. Tout ce que tu peux penser a une influence. Et justement,
cette influence que nous avons dans le monde, elle commence à partir de là où tu es, là maintenant. Et quand tu comprends ce que tu es, cette action constamment en effervescence pour avoir du bien-être, alors si tu vois ça, tu vois aussi toute l'absurdité qu'il y a derrière. Parce que ce qui se passe là, c'est un mouvement éphémère où on essaye de se procurer du bonheur, quelque chose qui va me faire oublier ma vie misérable, celle que nous vivons tous les jours, et que nous voulons toujours plus pour en être fiers. Mais cette fierté, c'est quoi? C'est l'apparence d'avoir réussi, l'apparence que tu te donnes aux yeux des autres et tu t'enorgueillises. Alors que tout cet orgueil, toute cette envie de se faire valoir dans le monde, crée le monde que nous connaissons, ces guerres. L'humilité veut que si tu vois vraiment ce qui se passe, vois vraiment que dans l'observation que tu prends à voir le monde tel qu'il est, et que tu vois que tu es ce monde, et le monde c'est toi. Alors il y a de quoi se demander, qui suis-je? Parce que toutes ces actions que l'on a fait pour faire exister ce monde, ce sont des actions inconscientes. Elles ne sont pas conscientes, elles ne sont pas réfléchies, elles sont spontanées, compulsives. Ce sont des réflexes qui se sont engrangés en nous au fil des millénaires. C'est des conditionnements que l'on répète, un programme qui a été installé, et ce programme, c'est nos conclusions. Nos conclusions nous dictent comment la vie devrait être. Donc tu exiges que toutes tes actions sont comprises comme tu le fais, parce que tu ne connais pas autre chose que ce que tu as appris. Donc tes conclusions dictent comment la vie devrait être, et ces conclusions fabriquent le monde. Et le monde est basé sur des conclusions, mais pas sur des actions qui sont juste présentes dans l'instant, sans aucune pensée, sans aucune référence. Et justement, la vie, c'est cela. C'est sans la référence du passé, qu'est-ce qui se passerait si on était soi-même là, présent, avec tout ce qu'il y a, sans vouloir arranger, organiser. Parce qu'il semblerait que nous voulons organiser le monde à notre goût, au goût de nos conclusions. Quand ça cesse, alors il y a un moment de silence où il n'y a plus rien qui est fait pour déranger la vie qui veut se mouvoir. Et la vie, elle se meut comme ça. Quand tu laisses être ce qu'elle est, pas ce que tu voudrais. Parce que ce que tu voudrais, justement, crée la guerre, parce qu'il y a quelqu'un qui ne voudra pas te le donner, parce que tout le monde est attaché, tout le monde a pris l'habitude de s'attacher. Et ça commence par soi, il ne faut pas attendre que quelqu'un va le faire, parce que tu seras toujours déçu. Et ce n'est pas la bonne démarche d'attendre que quelqu'un le fasse, parce que toi tu seras dans l'attente, et tu seras dépendant de celui qui a commencé. Il faut que tu sois dépendant de qui que ce soit sur la planète, que tu sois authentique toi-même. Tu fais toi ton chemin, parce que tu sais que c'est la chose qu'il y a à faire. Ce n'est pas quelque chose que tu fais parce que tu es obligé, mais parce que c'est la chose la plus sensée qu'il y a. C'est de vivre l'instant, sans s'attacher, sans,
se créer des problèmes sans que demain soit une inquiétude. Il semble que nous avons besoin de voir qu'est-ce qui se passe pour sortir de l'impasse dans laquelle on s'est empêtré, on s'est enrôlé. L'esprit s'enrôle dans des habitudes et des train-trains, et comme après il est habitué, il a peur de sortir de là. Et comme on a peur, eh bien on veut garder les habitudes et on crée un monde fictif, une illusion, quelque chose d'idéal que l'on poursuit pour pouvoir vivre dans ce monde apeuré. Donc on cherche quelque chose au-delà de tout ce que nous vivons, sans prendre en compte ce que on vit, c'est la cause de tous nos problèmes. Toutes nos compulsions, nos réactions, nos envies, nos déboires viennent avec ça, tous les problèmes de la société. Si tu cesses cela, il n'y a plus de problème. Déjà pour toi, parce que tu es en paix. Et quand tu es en paix, tu ne crées plus la guerre autour de toi. Tout ce que tu fais apportera un peu de baume dans l'humanité. Et c'est tout petit comme ça, dans cette humilité-là, que réside la paix, la joie de vivre. Parce que tu fais ce qui semble impossible. Quand tout le monde accuse son ennemi, toi tu ne l'accuses pas. Quand tout le monde court pour une cause, toi, tu n'as pas de but. Et quand tout le monde veut avoir, toi, tu ne veux rien. Tu demandes rien. Tu n'attends rien. Tu es là, dans cette humilité-là. Et cette humilité-là a quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est un don pour l'humanité. L'humanité a besoin de ça pour pouvoir se relever de son orgueil, sortir de son orgueil, voir vraiment la réalité des choses et non la fiction, et non la vie que l'on aimerait. La vie que l'on aimerait, c'est un fantasme de nos idéaux. La pensée nous invite à projeter quelque chose de beau et on poursuit tout ça. Ça, c'est le fantasme de l'ego pour pouvoir exister. Et avec tout ça, le monde que tu connais aujourd'hui ressemble à ça, ressemble à toute cette machine infernale qui veut accéder à exister selon l'intérêt qu'il y a à avoir. Abandonner ça, c'est la plus belle chose que tu puisses faire. Ça veut dire donner ta vie, la vie que tu aimerais avoir, la donner. Ne plus la tenir. Ne plus chercher à la faire exister. Et par contre, quand tu fais ça, tu vis la vie qu'il y a. Et la vie qu'il y a, c'est justement l'expression de toi sans le centre égocentrique.